000 propriétaires dans chacun d'eux. Il y en a quelques-unes, il y en a une trentaine, je crois. Enfin, c'est pratiquement tout reparti dans le secteur. Parce qu'il y a ça, là, ouais. Les entreprises françaises, les coopératives usagées, comme ceux consommateurs. Et puis il y a les SCOP maintenant dans les. Alors, celle de l'avenue de la République est une SCOP. Vous la connaissez ? Non. Celle de l'avenue de la République, c'est une SCOP. Ah, d'accord, une BioCOP qui est tombée. Une BioCOP, très bien, ça existe. Nous, on voulait en créer une à Annecy. Comme nous, on voulait en tant que coopérative prendre des parts, juridiquement, c'était impossible. Finalement, elle a fait une SA. C'est quand même un état d'esprit, celle qui a créé ça. Mais c'est vrai que coopérative contre capitalisme, dans une coopérative, on ne peut plus avoir de capitalisme, puisque tu redonnes des bénéfices à 10 000 personnes. Donc, c'est bon, quoi. Oui, non. Et alors, vous vous sentez bien ? Vous vous sentez bien à vivre, hein ? Oui, c'est bien, c'est agréable. Bien, hein ? On en rêve, on en a toujours rêvé, nous. Il n'y en a pas ici, à Paris ? Non, mais il y en a, mais nous, on n'a pas travaillé dans des coopératives, on en rêve de ne pas avoir de patron, de pouvoir décider de ce qu'on veut faire. On a quand même 40 salariés, et on est leur patron. Mais ils nous disent que c'est quand même assez agréable. Ils reconnaissent que c'est quand même bien. Qu'est-ce que vous produisez ? Non, mais nous, c'est une BioCOP, quoi. C'est un magasin de vente. Un magasin de vente de produits biologiques, c'est tout. Oh, mais c'est comme le guerre mondial en Bulgarie. Rien de neuf. Je connais ça. Oui, parce que c'est nouveau. Ça a été créé hier. Sophie Vanish. Alors, je suis Sophie Vanish. Et tu veux me poser des questions, c'est ça ? Non, pas de questions bêtes. Tu sais très bien ce que je peux demander. Ben, c'est difficile hein, quand même de prendre la parole sans questions. Parce que je peux. Mais tu dis, large. Ici, pour moi, c'est comme quand je faisais du cinéma en appartement 20 ans. En fait, les Parisiens se rencontrent. Les jeunes sont heureux de s'aimer, de se rencontrer. Donc, nous ne sommes pas obligés d'être à des endroits où on boit et on se drogue. Mais quand même, si tu veux que je fasse quelque chose, faut que tu me dises quoi. Et alors, ce que je veux, c'est comment tu vois l'évolution du mouvement et qu'est-ce que tu penses apporter à ce mouvement ? Alors, je pense que ce mouvement est à la croisée d'expériences passées qui ont eu lieu en Espagne, en Grèce, et de l'histoire plus traditionnelle française. Et que du coup, il y a à la fois l'occupation des places, mais l'élaboration immédiate d'une structuration politique en fait assez forte. Ça paraît très fouchtrac comme ça, mais le fait simplement d'avoir décidé de ne pas être simplement en AG, mais d'avoir des commissions et d'avoir des porte-parole de commission, ça veut dire que d'emblée, il y a une capacité à articuler vraiment de l'horizontalité, mais aussi des spécificités dans cette horizontalité et de la possibilité malgré tout de représentation. Donc même si on ne parle pas du tout de représentation au sens strict ou de verticalité, il y a quelque chose qui s'agence, qui s'est fait en très peu de temps, en 3 semaines. Et de ce point de vue-là, c'est assez remarquable. Et ce que je constate dans les commissions, c'est que les gens sont très articulés. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement déjà un très gros bagage de savoir, d'arguments. Ils sont bardés d'arguments, comme on dit. Après, ce qui est incertain, c'est que toutes ces élaborations ponctuelles dans les commissions, on ne sait pas encore ce que ça va devenir. S'il y a une capacité à être dans une bascule plus formelle qui permette de fabriquer un rapport de force qui ne soit pas simplement immanent de l'occupation des places, mais qui soit un rapport de force avec des arguments politiques qui se diffusent dans l'ensemble de la société, parce qu'on représente quand même 5% de la société, peut-être plus, mais je crois pas. Donc il y a un enjeu de diffusion en choisissant qu'est-ce qu'on met en circulation au-delà des places. Mais tu oublies, et vous oubliez tous, une chose très importante, c'est qu'il y a l'évolution de la financiarisation de la fermeture d'usines et de la prise de pouvoir des financiers.
Donc, non, on n'oublie pas du tout. Mais parce que quand tu penses comment ça va se passer, il suffit que demain, de nouveau, il y a un écroulement des banques et nous pouvons basculer vers ce que nous voulons. Donc, et la société, si elle n'est pas travaillée en amont, elle peut basculer vers aussi des choses très négatives. Mais parce donc la question de la circulation des choses qui s'élaborent ici est extrêmement importante quand même. Oui, très importante, mais comme tout le peuple français veut sortir de l'euro, dis-moi, est-ce qu'il faut attendre des élections? Je ne crois pas que, si. Que ça soit si simple que ça, il y a un vrai débat sur ça. Non, le débat ne suffit pas, moi je connais bien le corps social. Depuis 2006, je filme les objecteurs de croissance, les états généraux des objecteurs de croissance. Tout ça, je l'ai vu. Oui, oui. Mais maintenant, ça a pris des proportions. Donc, Gens ne veulent plus subir le diktat de règles qui sont injustes. Oui. Qu'elles soient au niveau national, ou au niveau européen ou au niveau global. Oui. Donc ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où le sentiment, comme disait Robespierre, que quand une loi est tyrannique, ce n'est pas une loi, maintenant est très diffusé. Et donc la question, c'est de savoir comment on empêche les lois tyranniques de s'exercer et comment on arrive à produire un autre arsenal de lois. Et comment alors? C'est ça qu'est en train de s'élaborer petit à petit. Après, le comment, on ne le sait pas encore complètement, mais je ne crois pas qu'il y ait de forme magique. Mais quand tu compares avec la Révolution française, où on se trouve en ce moment par rapport à ça? On se trouve ailleurs, parce que la Révolution française, elle est faite par des puissants financiers qui veulent le pouvoir qu'ils n'ont pas, alors qu'ils ont le pouvoir de l'argent, alors qu'aujourd'hui, ceux contre qui on se bat, c'est justement cela. On n'est pas face à une aristocratie des argentés, une bourgeoisie riche et une confiscation du pouvoir par l'aristocratie. On est dans une confiscation du pouvoir par ceux qui l'ont conquis dans la révolution dite bourgeoise en 1789, 1791, puis ensuite en 1795. Donc là, on a la révolution française populaire qui s'est battue à la fois contre l'aristocratie et contre la bourgeoisie. Mais elle n'a pas de soutien de grandes structures riches. Donc on est beaucoup plus fragile, mais si on réussit à s'étendre, on peut être puissant parce que les 99% sont plus puissants que les 1%. Mais on n'a pas la configuration du tout de 89. Et mais pourquoi du tout. Mais pourquoi tu penses qu'il faut toujours la... Je ne dis pas que je pense qu'il faut toujours. Je dis que du coup, il faut garder raison sur la comparaison. Oui. Voilà. Et... On ne peut pas dire on est à ce moment-là de 89, etc. Il y a des situations qui sont de configuration pré-révolutionnaire, mais il y a des ingrédients qui sont complètement différents. Et donc la dynamique, elle sera complètement différente. Oui, c'est ce que je propose, réduire de la consommation, comme ça qu'un jour on bascule vers une autre société. Voilà, allez, à bientôt. À bientôt. Alors, je vais aller manger un peu, parce que j'ai froid. J'y vais là ou... Oui, vas-y. Oui, explique-moi pourquoi tu veux lire ce... Okay. Les lumières, elles viennent de là. Ouais, oui. Non, mais je veux le lire parce que j'ai beaucoup entendu parler de Daniel Pennac. Oui. Et j'ai jamais rien lu de Daniel Pennac. C'est pas très original comme raison. Ah bon, c'est que ça. Donc voilà, et parce que aussi je trouve ça beau qu'il y ait une petite bibliothèque collaborative où on peut prendre un livre, en ramener. Oui. Donc voilà. Oh. Et comme on dit, évoquer ses dettes, c'est douter de sa générosité. Oui, c'est un peu comme la joie de lire à l'époque, voilà. Après mai 68. C'est ça. On faisait ça. On voulait un bouquet et puis on le ramenait. Voilà. C'est la joie du partage. Oui. De savoir qu'on peut acquérir un livre sans devoir l'acheter et qu'on est dans d'autres types de rapports que les rapports marchands. Voilà. Qui a été voté en novembre sur deux nouveaux articles qui ont été rajoutés au code de la sécurité sociale, donnant la possibilité
de basculer le système de gestion de la sécurité sociale par les représentants syndicaux et les représentants patronaux. Et ça va être... ça sera basculé au sein de l'État. Donc le gouvernement aura la maîtrise de la sécurité sociale. Maîtrise de la sécurité sociale qui voudra dire que non seulement les régimes maladie seront attaqués, les régimes santé, mais également les retraites. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ici en France, toute la logique du MEDEF, toute la logique du patronat, toute la logique de la finance. Continuez, je vous ai vu la dernière fois. Je crois que c'est... Mais quoi, Camille ? Alors cette année, avec les Juste au corps, nous montons Klaxon, Trompette et Pétarade, une pièce de Dario Fo, qui est une farce, oui. Assez drôle et assez politique, oui. Qui parle du patron de la Fiat qui se retrouve avec le visage via la chirurgie esthétique d'un de ses mécanos. D'un de ses ouvriers. Oui. Et du coup, il y a tout un quiproquo parce qu'il se retrouve aussi avec sa femme, etc. Voilà. Parce qu'il y a une sorte de terrorisme aussi, d'ailleurs. Ah oui. Très sympa. Tu vois, tout le monde s'appelle maintenant Camille, ici. Tout le monde s'appelle Camille ? Oui. Quand on demande quelqu'un quel est ton nom pour la presse, et il dit Camille. Ah bon ? C'est magnifique. C'est parfait. C'est là depuis... Tu fais les... France peut parfaitement se passer du pétrole du Congo-Brazzaville. Nous pouvons parfaitement nous passer du pétrole du Congo-Brazzaville. Nous pouvons d'ailleurs parfaitement nous passer de pétrole. À ce jour, une pétition a été créée par des artistes dont le metteur en scène Jean-Paul Delors, l'auteur, acteur et metteur en scène Dieudonné Nyanguna, et la comédienne Laetitia Adjanoun, et la costumière Catherine Laval. Une lettre ouverte au président français pour faire cesser les massacres aux poules et rétablir les élections impartiales, puisqu'hélas, il en a le pouvoir, puisqu'hélas, il n'en fait rien. En voilà un extrait. La répétition aujourd'hui d'un scénario cauchemardesque. Vous êtes en vie, Robal. C'est vrai, je suis en vie puisque à l'âge que j'avais, même beaucoup avant, en 63, et Tristan Sarah est mort le jour de Noël. Ah. Et une semaine avant, nous jouons une partie d'échecs. Et... Non, on ne peut pas savoir. Mais... Il me demandait très souvent, puisqu'il y allait au groupe surréaliste, il me demandait qu'est-ce qu'on pense les surréalistes de moi. Je ne pouvais pas lui dire que personne connaissait Tristan Sarah au groupe surréaliste, sauf Breton. C'est de la même manière que personne ne nous connaît ici. Mais ce n'est pas important, il n'y a pas de mort. Tu peux toujours lui demander et il peut te répondre parce qu'il n'y a pas de mort. Ça, c'est dans la tête des gens, mais l'esprit vit toujours. Nous parlons jamais de mort, nous parlons d'occultation. De quoi ? Occultation. Occultation. Tristan Sarah s'est occulté le 24 décembre de 1963. On peut mourir. Et lorsque j'étais à Bucarest, j'ai demandé de bombarder la grande maison qu'a construite Ceausescu. Oui. J'ai demandé de bombarder avec des hélicoptères, avec des sacs de couleurs. En couleur. Chacun représentait un des grands génies de Roumanie, comme tous ces cinq grands quoi? Génies de Bulgarie, de Roumanie, de Bucarest. Oui. Comme Ionesco. Le palais de Ceausescu, vous avez bombardé. C'est-à-dire, j'étais là et c'était incroyable la taille, la grandeur de ce lieu qui a été bougé avec un train pour arriver à ça. Il y a même une douzaine de personnes qui n'arrivent pas à pouvoir. J'étais là avec la demoiselle. Et il va faire un hommage, François.
excusez-moi, il va faire orage. Si il parle, c'est tout de suite. Mais ça va pleuvoir. En effet, tout est possible. Il pleut. Vite, parce que je ne pourrai pas. Dis-moi, est-ce que vous êtes de quelle origine? Je suis de Borges, Jorge Luis Borges, mais appelé toujours mon ami africain. Je suis né en Afrique. En Afrique, où ça? Je suis né dans une ville que vous connaissez très bien, qui s'appelle Melilla. Il pleut et on doit... Il va faire orage, en 3 minutes c'est foutu. Alors, mais vous êtes incroyable. Non mais on te laisse... Je commence à s'appeler les barabales et vous me coupez. De milliers à s'opposer voilà, on va quand même préciser ça. C'est une façon d'exprimer notre désir et notre volonté de nous défaire du nucléaire, des énergies fossiles et des saloperies. Donc rien pour ça il faut le faire. J'ajouterais qu'on les appelle et qu'ils s'occupent de tout. C'est eux qui sont à l'époque toujours de... Donc c'est pas un grand boulot de faire ça. Et la non-électricité est à peine, je ne sais pas si c'est 1 ou 2% plus élevée que EDF. Donc vraiment, si tout le monde faisait ça, on montrerait qu'il y a une majorité de gens qui en ont marre de ces saloperies. Parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, et c'est la mort à nos portes. Ouais, attends, très rapidement. Non mais vraiment c'est sur Enercop, très rapidement, je donne la parole tout de suite. C'est te dire que j'ai été aussi à des conférences sur Enercop. Ah, je ne suis pas contre Enercop, bien entendu. Mais préciser par exemple, on fait toujours référence à l'Allemagne. Mais l'Allemagne, effectivement, il y a à peu près 100 000 sociétaires en Allemagne. Mais c'est un levier. En Allemagne, si effectivement aujourd'hui on est sur la sortie du nucléaire, c'est que le combat antinucléaire et la lutte antinucléaire n'a jamais été abandonné. La lutte concrète sur le terrain, et notamment les Allemands, ils sont des dizaines de milliers à s'opposer physiquement quand il y a des transports de matières radioactives. C'est ça qu'il faut avant tout reconstituer. Et Enercop, ça ne sera jamais suffisant. Attention, voilà, non mais c'est important de le préciser quand même. Voilà. Non, mais on est d'accord. Rien ne remplacera la lutte. Allô, allô, oui. Non, mais c'est un peu la même intervention. C'est Enercop, c'est bien. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la politique de l'énergie au niveau mondial et donc au niveau français, c'est le mix énergétique. Donc on pourrait très bien avoir beaucoup de sociétaires, le maximum de sociétaires Enercop, et ça continue avec le même taux d'énergie nucléaire dépensée en France. Parce que la consommation n'arrête pas de monter, d'augmenter. Et la consommation des NTIC et plein d'autres choses qu'on nous dit, des technologies vertes, la numérisation, c'est un piège à con qui fait qu'on dépense encore beaucoup plus d'énergie que si on continuait à vendre le livre, le papier ou des choses comme ça. Il y a plein de la consommation électrique, c'est ne fait qu'augmenter. Si en contrepartie, il n'y a pas un combat, comme le disait le camarade, décroissant, un combat pour contrôler notre niveau de consommation d'énergie. Et ça, on ne peut pas le contrôler individuellement. C'est un combat... On peut illusoirement le contrôler. C'est une illusion de le contrôler individuellement parce qu'on est pris dans un macro-système technicien qui nous impose d'utiliser des techniques. Qui peut refuser d'utiliser le mail dans son boulot aujourd'hui? Un artisan. Il y a combien d'artisans ici? Voilà, il y a plein de choses qui nous sont imposées par la société et qu'il faut combattre de façon globale si on veut pouvoir... Arrêtez le nucléaire. Fondation du circuit électrique. Personne n'en a rien su. Nous, on l'a su par un témoin interne. Parce que chez EDF, il ne faut pas croire. Il y a des gens qui ont peur au nucléaire.
EDF. Parce qu'ils sont en train de se rendre compte que comme EDF n'a plus de sous, ils font des économies sur tout, notamment sur l'entretien, que le personnel est de moins en moins formé et qu'il y a des choses qui se font très vite et sans aucune précaution. Et donc, quand il y a eu cette inondation des circuits de refroidissement, c'était simplement une cuve qui a été remplie d'eau et qui a inondé les circuits. C'est tout bête, un accident, c'est pas nécessairement un tsunami, c'est pas nécessairement un grand cataclysme, c'est tout simplement un circuit de refroidissement qui ne fonctionne pas. Parce qu'un réacteur qui n'est pas refroidi, eh ben c'est Tchernobyl, ça saute, ça pète. Voilà, voilà vers quoi ce qu'on risque. C'est quand même là-dessus la seule question qu'il faut se poser, quoi. Est-ce qu'on veut ça en France? C'était où et quand? C'était où et quand? À Fessenheim. Juste une information qui était dans le canard de cette semaine. Il y a un grand nombre d'éoliennes construites en France. C'est une fausse information, faut pas la prendre. Ah bon, pourquoi? Qui ne sont pas reliées au réseau. Il va continuer à renflouer EDF. EDF va continuer. Il va faire. Si EDF, si c'est pas EDF qui va pomper notre argent directement, il va le pomper à travers les impôts. Donc, il faut bien se rendre compte. Effectivement, ça peut être une façon de dire. De faire entendre qu'on ne veut pas l'électricité nucléaire, c'est une façon de donner de l'argent pour des investissements dans le renouvelable, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ça sera certainement pas suffisant pour arrêter le pouvoir dans son soutien au nucléaire. Attends, il y a un monsieur. Mais pas pour longtemps, vous allez voir. On parle du nucléaire pour notre électricité personnelle, mais il y a peut-être aussi une chose qu'il faudrait parler, et j'aimerais que vous en parliez, c'est cette électricité, elle va aussi à nos industries. Et si on sort du nucléaire, ce que je souhaite et tout, est-ce que au niveau de nos industries qui ont besoin d'électricité, est-ce qu'il n'y aurait pas de soucis ou de choses comme ça? Et puis, je voulais aussi juste aborder... On parlait des minerais et tout. Je pense aussi que le nucléaire, ça nous oblige à piller des territoires d'outre-mer comme l'Afrique, le Niger, l'Afrique, des pays d'Océanie et autres avec ces minerais dont on a besoin pour le nucléaire, bien sûr. Donc je voudrais savoir pour l'industrie. Ce n'est pas le gouvernement, hein. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de pouvoir. Et qu'aujourd'hui, et depuis 1970, les centrales nucléaires ont été décidées par un petit groupe de personnes. On n'a jamais discuté, on n'a jamais eu d'autre mot à dire sur la possibilité de faire une centrale ou de ne pas faire une centrale nucléaire. Bon, on a fait le nucléaire pour avoir la bombe, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. S'il n'y avait pas eu l'histoire de la bombe, on n'aurait jamais pas mis dans le nucléaire. Bon, ça c'est une chose. Hier, j'ai appris que l'Europe venait de prendre une décision des normes de becquerel par aliment. Suivant les types d'aliments, on a plus ou moins de becquerel. Par rapport aux normes précédentes, les normes ont été multipliées par 50. C'est les normes qui vont être valables pour l'Europe. Parce qu'ils sont en train de préparer l'accident. Hein. L'ASN, qui est l'organisme de régulation et de contrôle du nucléaire, disait, il y a 5 ans, il n'y a pas d'accident possible. Après, l'accident est possible et aujourd'hui, ils disent, l'accident est probable. Oh là 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 là. Pour répondre à Bastien, ta question, je voudrais rappeler que l'Italie a arrêté la production d'énergie électrique par le nucléaire il y a 30 ans et ils n'ont pas arrêté leur industrie. Donc, voilà, c'était une réponse pour ce qui concerne l'Italie, donc un pays à côté dont on ne parle jamais. On parle beaucoup de l'Allemagne, mais on oublie le fait que l'Italie a arrêté totalement le nucléaire il y a plus de 30 ans, juste après Tchernobyl. Hein? Donc ça, c'est une première question.
pour ce qui concerne la suite, je voudrais revenir au sujet du débat, c'est-à-dire le vieillissement des centrales. Si le nucléaire est dangereux, ce n'est pas simplement parce que les centrales sont vieillissantes. C'est ça le problème. Il faut se rappeler du fait que Tchernobyl avait environ 5 ans. Three Mile Island n'était pas particulièrement vieille. Et pourtant, des accidents importants ont eu lieu. Et ce sont des accidents qui ont eu des conséquences sur le monde entier. Je dis ça parce qu'il y a des gens parfois qui nous racontent que le nucléaire peut provoquer des dégâts locaux. Les dégâts que le nucléaire provoque concernent l'ensemble de la planète. Et les deux derniers, Tchernobyl a produit un nuage qui a fait le tour du monde en empoisonnant des champignons, de la végétation, des animaux et des humains pratiquement partout. Et Fukushima est en train de contaminer l'ensemble de la chaîne alimentaire de l'ensemble du Pacifique, comme ils ont constaté déjà du côté des États-Unis et du Canada. Donc ces choses-là, il ne faut pas l'oublier, et il ne faut surtout pas laisser passer des énormités comme celles que racontent certains qui disent que la question nucléaire est une pure question technique qu'on peut maîtriser. On ne la maîtrise pas, ni nous, parce qu'on ne demande pas notre avis, ni les apprentis sorciers qui prétendent nous gouverner. Merci. Passion. Et puis, je pense qu'on aura d'autres débats. Il faut savoir quand même que EDF et Areva ont donné beaucoup d'argent pour une communication très soft. Par exemple, une des premières communications après Tchernobyl, c'est de dire on ne parle plus d'atomique, on parle nucléaire, ça passe mieux. Vous voyez, tout a été travaillé pour que les Français acceptent et vivent avec le nucléaire. Voilà. Et comme on n'aime pas avoir peur, c'est sûr qu'on oublie et on fait tout pour qu'on n'y pense pas. Mais bon, voilà, je pense que c'est vraiment... Là, on arrive à une nouvelle échéance avec ces centrales. Je pense qu'il y avait un espoir maigre, mais quand même, comme quelqu'un l'a dit, Roland nous a promis de rabaisser à sa prochaine année. Ça dépend de nous maintenant, ça y est. Non, mais on peut le dire. Si, ça dépend de nous. Là, il faut. Oui, on peut le dire, d'accord, mais alors, est-ce que tu crois que tu vas arriver à avoir un mouvement assez fort pour, dans les 7 ans, arriver à l'Assemblée? Faisons-le. Je fais pas un acte de foi. C'est voilà, on a l'occasion, les gens sont d'accord, là. Mais alors, très bien. Faisons-le, alors, quoi. Alors, faisons-le. Voilà. Maintenant, concrètement. Voilà, je sais pas, c'est un acte de foi. Parce que lui debout, c'est a commencé à partir même de la contestation de la loi El Khomri. Bon, bah, dans le cas des paysans, la loi El Khomri, c'est la PAC, c'est toute une série de lois qui encadrent le travail des paysans et qui empêchent effectivement les circuits courts et tout ça, quoi, qui favorisent les trucs comme Carrefour, les machins, machins. Il faut à la fois arriver à péter ces machins et en même temps à développer des solutions locales de transition. C'est ça la complexité. Mais pour moi, l'objectif global, il est implicite. En fait, c'est sûr qu'il faut changer les lois. Oui, mais ce ne sera pas juste par l'agrégation des voix. Enfin, voilà. La différence, c'est que je dis. C'est pas l'agrégation. Ce ne sera pas l'agrégation des bonnes volontés individuelles qui fera le changement global, ce que toi, tu as l'air de dire. Et moi, je te dis qu'il faudra les deux. Les initiatives politiques sont-elles individuelles ou collectives? C'est vraiment le débat central. La question répond à la question. Laquelle question ? Les initiatives politiques sont individuelles ou collectives ? Pas collectives, c'est vrai. Eh bien, moi d'abord, si je suis là, c'est parce que j'ai décidé de venir. Il y a plusieurs individus ici qui ont choisi. Oui, mais non, parce que vous avez raison, tous les deux. Oui, mais c'est des gros. Non, bah, bref. De toute façon, on peut très bien dire qu'on se met sur les deux piliers, le volet individuel et le volet collectif, et puis basta. Par exemple, essayer de voir aussi ce qui freine typiquement. Il y a plein de subventions. Alors attends, qu'est-ce que c'était cette histoire que tu me racontais? Je crois que c'était toi ou... en tout cas, des viticulteurs qui, pour pouvoir avoir des subventions de la part de la PAC, étaient en fait obligés de ne pas, de ne
peut pas récolter les raisins, tu vois, ou des trucs comme ça. Enfin, bref, on peut pointer toutes les incitations au productivisme pour les casser, quoi, tu vois. Non, jamais, c'est le gaspillage général. Clairement, tu veux monter un collectif. C'est de l'action politique, hein, c'est, mais pas de la politique partisan, hein. Ça peut être de la politique mouvement social, ça peut être, tu vois, genre... Bon, si vous voulez bien, alors on vous propose ça pour passer au bio, ce serait bien. C'est quoi ce lien? Des problématiques globales et locales. C'est quoi cet atelier? Écologie. Comment? La commission écologique. Oh, vous pensez en écologie? Coup, c'est touchant. Tu seras confronté à ces règles globales que tu devras essayer de contourner et de détruire comme de vaincre grâce à des moyens actuels. C'est ça que je veux dire. C'est aujourd'hui, toutes ces lois que tu parles, elles sont là. Enfin, on rentre dans un débat sans fin, c'est ce que tu dis. Voilà, c'est ce que j'aimerais, moi. C'est que moi, je suis d'accord avec les deux points de vue. Et je pense que la seule façon d'arriver à dépasser ça, c'est à faire une proposition d'un groupe de travail sur une question ou une autre, pour voir comment on peut arriver à allier les deux visions, quoi, collectives et individuelles. Il faut faire une proposition. Et puis aussi volontaire et contraignante. Il y a les deux, il y a les deux trucs. Si on n'arrive pas à donner un objectif concret, on ne sera que dans un débat sans fin. En fait, voilà, moi j'étais arrivé là pour poser mon truc, c'est-à-dire clairement, c'est aujourd'hui, il y a des tas d'initiatives locales, qu'elles soient collectives, individuelles, peu importe, qui sont bloquées par le cadre législatif d'aujourd'hui. Donc tu vois bien qu'il est particulièrement défavorable. Mais donc moi, c'est là que je veux apporter une solution qui est plutôt, pas court terme, mais une boucle de travail qui prendrait jour très bientôt, qui serait de recenser toutes les initiatives locales, peut-être que de trouver un moyen de les recenser, pour voir leurs moyens d'action et pouvoir globaliser ce moyen d'action pour partager... Sauter les verrous, oui, c'est le ça plus facilement possible. Oui, voilà, faire péter les freins et le plus facilement possible, c'est-à-dire que, imagine... C'est pas que les initiatives, à mon avis, il faut vraiment aller du côté des agriculteurs et de leur demander, leur faire des gens qui sont... Allez, c'est bon. Des choux là, les 9 tonnes de choux. Ah oui, ben voilà, des artichauts. Voilà, et en fait ils sont partis, ils ont pas pu vendre leurs artichauts, il fallait quoi, jeter la récolte carrément. Si j'étais là, mais je... Ouais, histoire ça, des artichauts, tu vois. J'ai passé une journée à 9h à couper des artichauts. Et qu'après ces 9 heures de travail, à Charnay, on avait 5 tonnes d'artichauts. Et on est arrivé à la coopérative. En fait, il y a une limite de prix d'achat. Et une fois que le prix, en fait, sur le marché, il est passé en dessous. Et donc, ces 5 tonnes d'artichauts, et ben, on a dû les jeter. Tu vois, donc c'est toutes les questions de marché financier, alimentaire, tu vois, des denrées alimentaires et tout, qui sont imposées, quoi. C'est pas... Enfin, moi, je suis toujours dans le... Je te suis à 100% dans ce que tu dis. Concrètement, moi, ce que j'aimerais, donc, c'est faire un travail de répertoration de tout ce qui existe localement. Quand tu dis localement, c'est à quelle échelle? C'est localement à Paris ou localement en Île-de-France? Ce qui se fait dans la France entière, sur des petites... Sur un niveau local. Exactement. Mais pas localement que chez nous. Oui, voilà, c'est ça. Pour répertorier les gros problèmes, les gros blocages, pour essayer d'en garder des leçons et d'essayer d'élargir ce savoir. Au final, le savoir, ça serait comment au mieux contourner le système qui nous bloque actuellement. Bah, pas contourner, le contourner, mais le faire péter, quoi. Oui, parce que... Cibler ce qu'il faut faire péter, quoi. Et comment le faire péter? On peut faire les deux, il n'y a pas de contre-indication. C'est vrai que c'est en ciblant véritablement le problème et qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, si on prend du recul là-dessus, on arrivera à déterminer quelles sont les actions qui nous permettent de... Mais du coup, il faut aller vers les personnes concernées. Vers les collectifs qui existent déjà, je pense, voilà. Vers tout ça. Et... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aussi aller voir les industries industrielles et qui n'arrivent pas à passer... Parce que là, si on répertorie toutes les initiatives qui fonctionnent, on n'a pas les blocages pour ceux qui... Bah c'est pour ça qu'il faudrait les faire intervenir à un moment dans notre débat pour qu'ils apportent, eux, leurs freins. Il y
Bon, on finit par converger, c'est bien. Ouais. Bah, lambda et... Non, pas forcément, tu vois, genre, type, le papa d'un ami, tu vois, genre, il vend des betteraves en Picardie et... Concrètement, c'est assez programmatique comme truc, il a été bien fichu. Enfin, je sais pas, genre, il est quand même... C'est plutôt un programme politique, ça, quand même. Oui, bah oui, oui. Ouais, il y a quelques signes, bah, c'est quand même pas mal. Ouais, mais si t'entends pas, programme d'action, c'est... Eh ben, l'action, c'est pour pouvoir... Oui, faire advenir la vision de vous, écologie conviviale, je sais pas... Ouais, on est sur un programme politique de la question alimentaire, la question alimentaire, la question... Ah ouais, on peut rendre quelle action politique on mène... C'est bizarre de braquer le ludique. Et donc, pour toi, ça serait par exemple, on trouve ce que tu viens de dire, quand tu plantes certains types de semences, tu as des indemnisations, des subventions. Des subventions, merci. Donc pour toi, ça serait cibler un type de subvention particulière. Donc on trouve tous qu'on arrive à la conclusion qu'il est mauvais pour le système, qui pousse un système industriel. Et derrière, concrètement, c'est adapter des solutions pour essayer de faire changer ça. Représentatif. Les gens dont on parle, quand on dit des gens qui ont de l'argent, concrètement, c'est 1% de la population. On est 99% de la population à être pas riche. Et y compris ceux qui gagnent 5000 euros par mois, on ne peut pas dire qu'ils sont riches comparé à des gens qui accumulent des milliards. Et la problématique résulte d'une inégalité flagrante de la répartition des richesses, mais sur la sphère haute. C'est-à-dire que même à 5000 euros par mois, la seule problématique que ça poserait, c'est de consommer de manière intelligente. Lutter contre les énergies fossiles, favoriser le bio, faire en sorte que ce qu'on consomme soit consommé de manière intelligente et pas destructrice. Pas le droit d'être ici. Là, c'est le contact. Donc, on essaye de séparer un peu les cahiers parce que quand on les séparait pas, on a vu que c'était le bordel. Donc, on a essayé d'être moins dans le bordel. Non, le bière. Non, c'est de lumière. Tu sais pas, genre celle-là. Non, non, la lumière, c'est bon, mais pas la bière. Non, bah, la bière, c'est bien aussi. On n'a pas besoin de bière pour l'instant, il nous en reste. Bon. Je ne vais pas faire de la pub à la bière. Bonjour. Non, je ne fais pas de la pub à la bière, mais mon foie, lui, en fait. Par contre, il adore la bière. Bon. Tu es allemand, alors ? Hein ? Tu es d'origine allemande ? Bah peut-être, j'en sais rien, ce qui s'est passé là-dedans plus loin, c'est possible. Mais vraisemblablement, ça les regarde. Donc... D'accord. Voilà, moi je suis là, moi je suis moi. D'accord. Et puis, ma table de cuisine est un peu bancale. C'est le bouge, hein. Ouais, c'est ta table de cuisine. Ouais. Oui. Alors, c'est celle de mes parents, à vrai dire, que je leur vole tous les soirs et que je ramène tous les soirs. Inlassablement. Non, heureusement, je suis pas loin. Mais le passage des portes du métro est un peu chiant en réalité, surtout quand t'as pas de ticket. Elle est pas pliante ? Si, elle est pliante. Si, elle est pliante, elle est juste un peu chiante et en courant. Surtout qu'on ramène de plus en plus de matos tous les jours. Donc... Ah, voilà, c'est pratique alors, c'est ta table de. Elle est bonne, elle est pas mal, moi j'aime bien. Oui, oui. On en a une autre petite, mais c'est pas pratique pour cuisiner, donc celle-là elle est plutôt pas mal, on est content. Oui. Là pour le coup, je la lave peut-être avant de cuisiner, ça pourrait être intéressant. Peut-être. Oh, il écrit un roman. Il s'appelle comment, votre camarade ? Après, ouais, bien sûr. Ah, maintenant même, si tu veux. Mais là. Bientôt il va devenir un écrivain public. Au début écrivain public et après écrivain tout court. Ah bah je ne crois pas. Mais oui. J'attends. Il y a du monde là-bas qui vous regarde. Très haut là-bas. Ah, du haut de l'heure.
Ah, mais c'est un hôtel, oui, c'est normal. Je suis parti depuis 1h30. Ah oui. D'accord. Mais bon, écoute, hein, c'est pas grave. Mais il fait beau ce soir. Ouais, et puis on est content, et puis il y a plein de trucs, mais bon. Mais bon, le problème, c'est quand j'aurai flingué tous mes partiels, je serai beaucoup moins content. Ça commence à urger. Est-ce que vous allez publier ces doléances? Mais voilà, mais oh, voilà. C'est bien. Mais après, pour venir sur Instagram. Vous allez les publier sur Internet ou sur papier? Sur papier, elles sont là. Ah, déjà, il y a du publié. Ouais. Lis-moi quelque chose. Bah, je sais pas alors. Création d'un mouvement citoyen, le candidat élu désigné par assemblée ou tiré au sort s'engage à redonner automatiquement le pouvoir au peuple via l'élaboration d'une nouvelle constitution approuvée par référendum. Le problème, ce n'est pas l'homme, mais la couronne. Qu'un cahier de doléances soit créé, que l'anonyme puisse parler, que tous se réunissent, que tous s'expriment. Les pensées sont là, les pensées ont toujours été là. Que finalement, elles s'inscrivent dans le réel, que finalement, elles existent. Répète les deux derniers strophes. Que finalement, elles s'inscrivent dans le réel, que finalement, elles existent. Ah oui, c'est beau. Voilà, c'est les pensées dedans. Pas enfermé. Donner son sens à la démocratie qui se doit d'être un service de l'intérêt commun. Donner la parole aux gens pour qu'ils construisent ensemble un bien commun. 47 mars, il n'y a pas de 47 mars. Mais 47 mars, oui. Mais comment ça? Mais c'est le calendrier de la Nuit debout. Ah oui, du mouvement. Explique, qu'est-ce que c'est? Le premier jour c'était le 31 mars et ensuite au lieu d'être le 1er avril on est passé au 32 mars. Mmh. Donc du coup depuis on a ce calendrier là. Mmh. Et maintenant aujourd'hui on est le 50 mars. 50 mars. Ouais. Et nous sommes sinon le 19 avril 2016. C'est ça. Ah, c'est bien. Nous, les cahiers de l'invité, on s'est préparé 40 heures, sachant qu'on avait 3 ou 4 TD, 40 TD à se préparer, c'est 7 heures à la préparation. Je compte 4 x 7, plus 41 heures, plus les télévisions. Et voilà. Moi, je calculais, je pouvais dormir 7 heures par jour. Voilà. Regardez peut-être une demi-heure de série. C'est chouette la vie qu'on a. Ah c'est chouette. Ah mais je me suis branlé la nuit pendant 3 ans avant. C'est ça. T'es en quelle année? En 3e. Ça fait 7 ans et demi que je fais des études. Ça fait super long. Ça je suis presque fini, je parle de ma vie. J'ai fini un appareil 8 déjà, j'ai fait sur 3 appareils 8. Mais je suis master parce que je suis un peu ramassé sur... Je vais pas partir. Support, sinon aussi on le fait sur Gmail machin là. Ouais, tu peux aussi ouais. Se faire sur doléances2016@gmail.com. Ouais. Et je peux quand même te prendre un petit audio ouais, avec grand plaisir. Très cool. De rester ici sur cette place, dans ce cadre là, même si c'est important aussi. Et la dernière chose, c'est que je trouve que, peut-être pas du tout d'accord avec moi, c'est juste une petite proposition rapide comme ça. Je trouve que pour beaucoup de gens, exposer ses idées en 2 minutes, c'est assez court. Et du coup je propose, je sais pas si on peut faire une proposition ou voter ou je sais pas quoi, mais faire quelque chose peut-être accepter, tolérer jusqu'à peut-être 3 minutes ou quelque chose comme ça, je pense qu'on est beaucoup et c'est possible.